Salut Thomas, tu vas bien ? Salut, ça va monsieur ? Alors tu nous accueilles au petit café du matin au café Chito. Café Chito, ouais. Pourquoi tu as fait ce choix ? Parce que c'est un endroit que j'aime bien, qui est loin de chez moi, l'opposé de chez moi, mais que je trouve complètement dépaysant. C'est un air de Guatemala, Carla qui ouvre ce lieu. Et donc Guatemaltèque d'origine, et c'est un lieu qui respire bon soleil et bon café. Et c'est cool, endroit chaleureux, j'aime bien. Un endroit chaleureux en plein hiver. Ouais, alors vous allez mettre un petit peu de chaleur dans cette température un peu hivernale avec les 4 ans des îlots. C'est ça, tout à fait, les 4 ans des îlots qui vont donc se dérouler ce week-end à partir de jeudi. Alors est-ce que tu peux nous dire un petit peu, parce que vous faites ça au point haut, ça va être une édition un petit peu spéciale des îlots. On a l'habitude de vous retrouver en plein air, l'hiver sur des modes un peu plus confidentiels, des box, mais là ça va être la grosse stuff. On a essayé en fait de mélanger l'ensemble de nos formats existants, c'est-à-dire des formats un peu libres, plein air, avec un format nuit un peu plus institutionnalisé, comme les concerts qu'on a pu faire au Tour Machine ou au 36e parallèle. L'idée c'est de commencer dès le jeudi sur une projection au Château du Plessis, un lieu qu'on adore, sur laquelle on a fait la première édition open air des îlots en 2014. Et qui vous ont toujours suivi depuis. Toujours suivi, on est des copains avec la compagnie Cano Lopez et avec maintenant l'entité Château du Plessis et le projet d'ouverture au Château du Plessis. Donc ça va être une projection d'un film sous le nom de Manu Malin qu'on accueillera le lendemain au point haut. C'est aussi de faire le lien avec ça et de faire un moment un peu tranquille au Château du Plessis avec une jauge plus réduite entre 150 et 200 personnes. Vendredi au point haut, on va faire une fête un peu différente, tant sur la forme que sur le fond. C'est-à-dire que sur la forme, on va proposer un événement avec des horaires étendus, ce qui n'arrive pas en Touraine. Aujourd'hui, c'est impossible de faire une fête après 4h du matin ou 5h du matin en Touraine. Si ce n'est 6 heures pour des discothèques ou ce genre de choses, mais en tout cas sur des événements concerts, ça n'existe pas. Donc on avait envie sur cette fête-là de faire du 22h à 8h sur le premier jour avec un plateau qui est un plateau d'artistes qu'on adore, des découvertes, des petites d'affiches. Le but c'est de faire une fête cool, pas chère. C'est quoi l'identité des îlots? C'est être un peu chill comme ambiance, un peu. Voilà, ouais. Vraiment l'envie de se poser. Est-ce qu'on va retrouver ça en soirée comme ça? On a plusieurs temps en fait. On a un temps, par exemple vendredi, qui va être un temps très festif. Ça va être vraiment la pure fête. Des endroits où se poser, il y en aura parce que c'est nécessaire de le faire. Aujourd'hui, on pense avant tout au confort de notre public. Par contre, c'est un événement qui va être très, très chill en fait. Qui va pas ressembler aux événements en extérieur. Par contre, la fête du samedi, elle va plus ressembler à ce qu'on fait en extérieur, tout simplement parce qu'on fait la fête sur un horaire encore plus étendu. On fait un 22h, 13h de l'après-midi. 13h du matin, 13h de l'après-midi, on est perdu. On est perdu. À ce moment-là, on ne saura plus trop. On ne saura plus trop. Et le but, c'est qu'au petit matin, à partir de 8h du matin, on soit sur une fête là complètement différente avec des animations, par exemple avec la charcuterie musicale, des sets house et non techno, des choses un peu plus ensoleillées, un peu plus d'espace, parce que les gens vont être moins nombreux, on va respirer dans la halle, etc. Et plus c'était lié ça. Des événements très festifs comme le vendredi, très nocturnes, comme le samedi en première partie de soirée. Et après, un moment un peu plus déhuré, un peu plus ensoleillé, même si on se rend à l'intérieur et qu'on ne va pas très très beau ce week-end. Bah voilà, c'est quand même pas mal. Alors vous attendez 1500 personnes par soir. C'est ça. C'est déjà quasiment plein. Quasi. Sur le vendredi, il nous reste 100 places aujourd'hui. Et à peine 300 sur le samedi. Vendredi, pardon. Donc ça va aller vite. Je te pose la question à chaque fois qu'on se voit, mais c'est quoi la recette du succès? C'est une question qui est extrêmement difficile à répondre, et à chaque fois je galère, mais à chaque fois je te donne une réponse différente, alors c'est bien. Là aujourd'hui, on pense que la recette du succès sur cet événement-là, c'était de prendre le parti, aussi qui est un parti de politique culturelle, de proposer des événements à pas cher. La plupart de nos places ont été vendues à 25€ les deux jours, 25€ les deux jours, c'est 12,50€ par soirée. Aujourd'hui, il n'y a aucun événement, quel que soit l'événement de musique électronique ou de rock, de cette envergure-là, à ce prix-là. Avec une technique énorme, beaucoup de son, beaucoup de lumière, une infrastructure qui est qualie, beaucoup de toilettes, un grand bar, etc. Ça fait des choses qui coûtent de l'argent. On a pris ce pari aujourd'hui de proposer une fête à un prix social, un prix le moins cher possible, et la plupart de nos tickets sont vendus à 25€, et la plupart des autres, les premiers tickets, les 200 premiers tickets, sont vendus à 15€ les deux nuits, ce qui est encore plus cher. On a l'impression que quoi que vous fassiez, votre public est presque prêt de vous suivre à l'aveugle. Derrière le label ILO, il y a une confiance
quasiment absolue. On l'a ressenti sur cet événement-là parce qu'on n'a pas de tête d'affiche en fait. On en a, mais des têtes d'affiche de découverte, on n'a pas. La tête d'affiche internationale qu'on voit sur dans toutes les villes, tous les week-ends, un artiste allemand très connu, ou je ne sais pas qui. Ou un Robotini qu'on a vu l'an dernier chez vous. Robotini qui est extrêmement connu maintenant qu'il a, pas fait, maintenant qu'il a, qu'il a gagné son César de la meilleure bande originale. Mais malgré tout, aujourd'hui, plus je suis énormément. C'est un événement où l'entrée n'est pas chère, la picole n'est pas chère. La fête est cool, la technique est bien. On prend la tête à l'entrée si t'es si t'as des baskets sales. Voilà, c'est aujourd'hui on est sur une fête libre et ça ce week-end ça correspond pas mal à cette notion là qu'on veut défendre de la fête libre. Ce week-end on se retrouve au point pour vos 4 ans. La suite de la saison, ça va être quoi? La suite de la saison, on peut déjà donner les dates, les lieux c'est encore un peu tôt comme toujours. On a réduit la voilure cette année par un choix humain avant tout. C'est qu'on entame notre 5e saison et pour se réinventer, il faut pouvoir faire moins pour faire mieux. Donc on va avoir 3 événements, on a déjà les dates, c'est le 20 mai, le 22 juillet et le 1er ou 2e week-end de septembre. Celui-là il est encore en suspens. Des lieux totalement qu'on adore. Sinon, ça peut être précis. Et un troisième lieu qu'on est en train de chercher, sur lequel on est en train de travailler. Et le but, c'est vraiment d'emmener la nouveauté. Par là, j'entends systématiser la deuxième scène, par exemple, avec des courants musicaux électroniques très différents de la disco, de la garage. Également des projets live, comme par exemple, on a vu il y a pas longtemps que Perroquet avait gagné les Inuits du printemps de Bourges. Proposer un groupe comme Perroquet sur scène, c'est très bien, ça serait trop cool de pouvoir les faire. Et de proposer plus d'animation. Refaire par exemple, remettre en place l'espace enfant qu'on a perdu il y a 2 ans. Remettre en place. Aujourd'hui, c'est faire moins d'événements pour les faire mettre en place. Ben, on vous souhaite en tout cas une belle saison à toi et à toute l'équipe des îlots. Et puis on se retrouve ce week-end au point haut. C'est ça, pour une grande fête, grosse fête. Et bien ce week-end, Thomas, alors. Merci beaucoup.